Cinquième partie, Saqqara, le sanctuaire de cristal. Saqqara est la première manifestation de la grande connaissance que les prêtres de l'école de mystère de l'œil d'Horus avaient acquise dans de nombreux domaines et dont les ruines sont aujourd'hui encore visibles. Ils construisirent la première pyramide de la Terre après le déluge universel. Pour la première fois, des blocs de pierre modulables ont été utilisés pour construire un édifice. Des hiéroglyphes, composant les premiers textes religieux de l'histoire, ont été gravés sur les murs. À Saqqara, les Égyptiens creusèrent un dédale de galeries souterraines de 12 étages de profondeur. Ces chambres et ces vestibules ont été décorés avec les premières tuiles en céramique produites par l'homme. Plus de 40 000 urnes, vases et tasses en albâtre ont été retrouvées dans ces pièces. À quoi pouvait-il servir? Pourquoi les Égyptiens ont-ils travaillé si durement pour creuser des tunnels, des chambres et des halls à 30 mètres en dessous du sol? Comment ont-ils éclairé ces pièces pour réaliser les ouvrages de céramique très sophistiqués qui ornent leurs murs? Pourquoi ont-ils bâti, au niveau du sol, d'imposantes masses de pierre qui ne semblent avoir eu aucune utilité? Quel avantage pouvait avoir une société de 4 millions d'individus à tailler et à déplacer plus d'un million de tonnes de pierre pour construire un ensemble architectural si raffiné? Pourquoi faire des gravures si élaborées sur leurs murs de pierre, sur leurs colonnes et leurs bas-reliefs, avec un étonnant luxe de détails pour décorer la façade d'un bâtiment vide? Comment des savoir-faire artistiques si développés auraient-ils pu aller de pair avec une telle irrationalité? Saqqara est l'un des plus grands mystères de l'Égypte. Son histoire révèle les réponses les plus incroyables, à commencer par le génie polymorphe, le personnage fabuleux qu'il a conçu et qui a dirigé sa construction. L'architecte Imhotep, dont le nom signifie « l'homme sage qui entre dans la paix », le grand prêtre de l'école de mystère de l'œil d'Horus, a joué un rôle important dans l'histoire de l'homme. Premier ministre, vizir et le chancelier du pharaon Djéser, qui appartenait à la troisième dynastie et qui régna vers l'an 2800 avant Jésus-Christ. Imhotep est né un 31 mai. C'était le fils de l'architecte Khanofer et de sa femme Kredouonk. Quelques statues le représentent comme un homme humble, habillé aussi simplement qu'un moine. Père de l'architecture, il remplaça le bois et la terre cuite par des blocs de pierre modulables. Il conçut les premières colonnes sculptées avec des chapiteaux en forme de fleurs de lotus. Le raffinement suprême des détails architecturaux, l'harmonie de Saqqara, montre la maîtrise qu'il avait de son art. Il a été le premier philosophe de l'histoire humaine. Il s'est consacré à la réflexion et à l'analyse des concepts fondamentaux comme l'espace, le temps, le volume, la nature de la maladie, l'existence de Dieu et l'immortalité. Il a donné à la civilisation égyptienne sa base conceptuelle, l'idée du progrès de la conscience vers Ma'at, vers la justice, l'honnêteté, l'harmonie et l'équilibre.
Selon Platon, l'histoire de l'Atlantide, que les prêtres égyptiens racontèrent à Solon, remonte à Imhotep. Astrologue et astronome, il a réalisé la première transcription graphique de la sphère céleste et il a dessiné les premières cartes des constellations. Le fait qu'il se réfère au changement d'air céleste pour déterminer les stades de la révélation dans le développement spirituel de la civilisation égyptienne prouve qu'il connaissait le phénomène de précession des équinoxes. Mais ce furent ses grands talents de médecin qui firent d'Imhotep un semi-dieu. Seulement 50 ans après sa mort, le pharaon Mykérinos construisit un temple en son honneur. Il devient un lieu de pèlerinage et de cure miraculeuse. Les Grecs, qui allèrent étudier en Égypte, le rebaptisèrent Asclépios ou Aesculapius pour souligner ses prouesses médicales. Ils l'appelèrent également Hermès Trismégistus, trois fois grand, en raison de ses dons de philosophe et de physicien qui avaient permis de révéler le fonctionnement de l'univers. Imhotep fut le premier à rassembler des informations sur le diagnostic et la guérison de nombreuses maladies. Le caducée, qui est de nos jours le symbole de la société médicale, était la canne de pouvoir d'Imhotep. Grâce à elle, il mesurait la quantité d'énergie vitale qu'un être humain avait appris à maîtriser. C'est ainsi qu'il savait quels centres neuronaux ou chakras ses patients utilisaient pour canaliser et diffuser leur énergie vitale et où ils avaient des déséquilibres électromagnétiques cellulaires. Il les guérissait en élevant la fréquence vibratoire de leur aura, qui est un champ électromagnétique propre à chaque personne. Ainsi, il rééquilibrait leurs chakras pour que ceux-ci puissent à nouveau fournir l'énergie vitale nécessaire aux organes affectés. C'était la véritable cause des maladies. Le caducée se compose de deux serpents enlacés autour de sept chakras, les centres neuronaux de la colonne vertébrale qui regroupent et distribuent l'énergie. Ils représentent les deux pôles électromagnétiques opposés qui mettent l'univers en mouvement. Dans son centre se trouve une colonne vibratoire formée de paires de particules de charge opposée qui se neutralisent et s'équilibrent, la seule manière d'arriver à l'illumination. Il représente le Kundalini, la force vitale qui se déplace le long de la colonne vertébrale. Même après la disparition de ce savoir ancestral, le caducée demeura le symbole de guérison. Les expériences qui ont manipulé cette forme comme une bobine électrique ont permis de découvrir certaines caractéristiques mystérieuses. Au passage du courant électrique, aucun champ de force n'est détectable, bien que ses effets soient visibles, puisque le courant résonne dans toutes les fréquences et les longueurs d'onde. Le caducée pouvait être utilisé pour envoyer et recevoir des signaux radioélectriques en alignant ses deux branches de fer, comme s'il envoyait des signaux laser. Le papyrus médical d'Hébert montre comment Imhotep a combiné la magie et la médecine. Ses antidotes et ses formules curatives font appel à des prières et à des charmes, car il estimait que la médecine ne pouvait pas guérir sans le pouvoir conféré par l'énergie de mots. Pendant des milliers d'années, ses écrits et ses enseignements se sont secrètement transmis de génération en génération. Ils ont servi de fondement à la réflexion des gnostiques, des templiers, des illuminati, des rosicruciens et des francs-maçons. Les Grecs les ont appelés les principes hermétiques. Imhotep les a inscrits sur plusieurs papyrus et tablettes pour la postérité. L'un d'entre eux, le Kybalion, parle des sept principes essentiels de l'univers. Il y déclare que l'univers existe par l'esprit de Dieu, que chaque homme est une de ses pensées et qu'il possède la capacité de penser à son tour, que la réalité est un grand système dont tous les éléments sont doués de conscience et sont reliés entre eux. Imhotep était un maître de la connaissance.
Il a enseigné l'écriture des hiéroglyphes et la gravure sur pierre pour composer les premiers textes religieux de l'histoire. C'est pourquoi il est associé à Thoth, le Néter, ou principe divin, représenté par un homme à tête d'ibis qui symbolise le mot divin, le verbe créateur. Imhotep était sans aucun doute un esprit exceptionnel. Le temps a fait de lui un mythe et l'a associé à la divinité sous différents noms. Thoth, Mercure, Quetzalcoatl, Aesculapius, Hermès Trismégistus, celui qui est trois fois grand. Le terme hermétique devient synonyme de sagesse secrète. Celle qui était autrefois dans les esprits des prêtres de l'œil d'Horus, dont l'un des premiers grands prêtres fut Imhotep, le sage qui entre dans la paix. C'est Imhotep qui décida où Saqqara devait être construit, pour des raisons mystérieuses. Le site se trouve entre le 31e et 32e degré de longitude est et entre le 29e et 30e degré de latitude nord, dans la seule région d'Égypte où allaient être construites des pyramides dans les 400 ans à venir. C'est une région désertique, à 14 km au sud du Caire, près de Memphis, l'ancienne capitale aujourd'hui disparue de l'Égypte. Les pyramides les plus au sud se trouvent à Meidoum, Awara et El Laoun, et c'est à Abu Rawash que se trouve la pyramide la plus septentrionale. C'est un plateau rocheux qui s'étend jusque Gizeh, à 50 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Cette altitude garantissait que les nappes phréatiques n'inonderaient pas les galeries souterraines qu'il avait prévu de construire. Dans cette région se trouvent également 8 pyramides plus petites, construites sous les 4e, 5e et 6e dynasties. Cette zone est située sur l'un des principaux nœuds du réseau électromagnétique de la planète, là où la force de son énergie tellurique peut être la mieux utilisée pour faire vibrer une grande masse de pierre. C'est dans cette région que les résonances électromagnétiques sont les plus fortes. C'est là où se trouve l'un des chakras de la planète, là où passe le courant tellurique, la charge négative de la croûte terrestre, qui transporte son énergie vitale. Un point de confluence important des lignes de Li, parfait pour produire de l'énergie statique négative à partir d'une grande masse de pierre riche en cristaux de quartz par la friction de ses molécules. L'atmosphère dans cette région est chargée de 500 volts par mètre carré de courant positif, soit 5 fois la charge normale. C'est un point de puissance sur la planète qui permet d'accroître le niveau d'énergie dégagé par la pyramide construite par Imhotep. Cette situation géographique était essentielle pour utiliser la pyramide comme un condensateur électrique qui absorbait l'énergie positive de l'atmosphère dans les cristaux de quartz des plaques de granit qui recouvraient alors sa surface. Saqqara signifie « celui qui ouvre et montre le chemin ». Son symbole est le chacal, l'animal qui guide ceux qui se sont perdus dans le désert et les amène jusqu'à la terre fertile, jusqu'à la civilisation. De loin, la première chose que l'on pouvait voir était la pyramide blanche, derrière un très long mur, le premier à être construit par l'homme avec des blocs de granit taillés, ornés de somptueux bas-reliefs et de linteaux. Un ouvrage beaucoup plus complexe que la pyramide elle-même.
130 000 tonnes de granit de Tura formaient un immense et inimitable mur de pierre. Il entourait les 15 hectares de l'ensemble architectural en le protégeant du chaos extérieur, en lui donnant une forme rectangulaire, orientée en sens nord-sud, parfaitement parallèle au cours du Nil. Le mur faisait 10 mètres de haut, comme un bâtiment moderne de 4 étages, 550 mètres de long, soit plus de 5 pâtés de maison, sur une ligne droite allant du nord au sud. Sa largeur était exactement égale à la moitié de sa longueur, soit 275 mètres d'est en ouest. Ce mur était la première composante du mécanisme quantique conçu par Imhotep à Saqqara. L'ensemble architectural dans son intégralité ressemblait à un gigantesque circuit électrique, fait en pierre et à grande échelle. Le mur réagissait comme une ceinture électromagnétique qui isolait le tout, en fermant et en protégeant le circuit. Il n'y avait pas besoin de fils électriques, mais seulement d'une forte densité de cristaux de quartz dans les molécules de la matière qui le formaient. Le granit de Tura, une carrière proche de Saqqara, contient beaucoup de quartz. Les molécules de quartz sont constituées de tétraèdres, une des cinq formes fondamentales qui composent la matière, les solides platoniciens. Les vibrations de la planète provoquent des frictions entre les faces du tétraèdre, ce qui produit une charge électrique. Les 85 000 mètres cubes du mur de granit contenaient un grand nombre de cristaux de quartz, qui produisait un puissant champ de force électromagnétique, un signal radioélectrique constant. Le mur fait partie d'un complexe permettant de concentrer de l'énergie électromagnétique et dont le centre était la pyramide de 66 mètres de haut qui le dominait. Ce mur avait une forme surprenante. Il s'avançait et reculait pour former, à intervalles réguliers, des bastions et des portiques. Des reliefs verticaux entouraient les porches, donnant à l'ensemble toute sa beauté et sa régularité, générant un sentiment d'harmonie dans une composition presque post-moderne. Depuis les créneaux situés en haut du mur, et auxquels on accédait par des escaliers placés à intervalles réguliers, on pouvait voir le paysage alentour, ainsi que l'impressionnante pyramide à étages. Non seulement c'est la première construction monumentale en pierre sculptée faite par l'homme, mais elle présente aussi une série de détails architecturaux qui montrent une maîtrise et une connaissance de l'architecture que les développements ultérieurs de la civilisation égyptienne n'ont jamais dépassé. Il y avait 15 porches identiques, mais seulement l'un d'eux, situé dans l'angle sud-est de l'énorme rectangle, avait une vraie porte. Il s'ouvrait sur un couloir étroit, par lequel ne pouvait entrer qu'un seul visiteur à la fois, pour pénétrer dans le sanctuaire de Saqqara. La voie de l'amélioration spirituelle est individuelle et inimitable. Personne ne peut évoluer à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison qu'une seule personne à la fois pouvait entrer à Saqqara. Un mur si haut, avec 14 porches murées et un seulement ouvert, avec une entrée si étroite, tout cela semble avoir été construit à des fins défensives. Pourtant, il n'y a jamais eu de porte à l'unique entrée.
La technologie mise en œuvre à Saqqara restreignait l'accès aux êtres à l'esprit primaire, ce qui dégageait une mauvaise aura, c'est-à-dire un champ électrique négatif. Dans le long couloir et le long de la galerie composée de 48 colonnes, un puissant champ de force électromagnétique intensifiait les sentiments des visiteurs. S'il y avait de la haine, de la peur ou de l'insécurité dans leur cœur, leur propre angoisse les empêchait d'entrer. Seules les âmes pures pouvaient entrer à Saqqara, lorsque s'y trouvait le sanctuaire de l'école de mystère de l'œil d'Horus. L'imposante galerie aligne 48 colonnes. Sa forme ésotérique est la même que celle de l'ADN humain. 20 paires de colonnes accolées au mur, disposées en fonction du soleil, sur l'axe d'énergie, la spirale torsadée de la molécule. Quatre paires de colonnes, dans le hall transversal, à la fin de la séquence, représentent la capacité supérieure des humains à conserver, analyser et traiter les informations. Les colonnes, entièrement sculptées, de 7 mètres de haut, ont été placées selon certains principes architecturaux qui furent repris des milliers d'années plus tard dans le Parthénon grec. Chaque colonne avait la forme d'un rouleau de papier de papyrus. Le cylindre était légèrement convexe et il se rétrécissait sur sa partie supérieure pour accentuer sa verticalité, ce qui était un trompe-l'œil, car sinon vu de loin, il aurait pu paraître courbé. Le restaurateur du site de Saqqara, Jean-Philippe Loher, a aussi constaté que du fond de la galerie, l'espace entre les colonnes les plus éloignées est plus important, ce qui rallonge la perspective et donne l'impression que la galerie est plus grande. Au bout de la galerie, nous arrivons au hall transversal, avec 8 colonnes reliées par des murets de pierre qui entourent la sortie vers la grande cour des serpents. La magnifique pyramide à étages brille au nord. La cour était à l'origine entourée par de hauts murs, dont les bas-reliefs étaient très travaillés. Ils se composaient de niches qui avaient une forme de porte, forme qui se retrouvera plus tard sur l'un des murs de tous les tombeaux égyptiens. Chaque porte a été surmontée d'une frise horizontale décorée d'un cobra, le serpent sacré qui représente la dualité, avec sa langue fourchue et ses organes sexuels hermaphrodites. Le serpent symbolise aussi la volonté de changer l'existence, la volonté de commencer un nouveau voyage d'apprentissage, au terme duquel l'homme sera maître de ses décisions. C'est la source et l'origine du mouvement. Beaucoup de cérémonies ont eu lieu dans cette cour, la plupart d'entre elles avec les disciples de l'école. Mais, une fois par an, le pharaon venait sur ce théâtre pour être couronné de nouveau par le grand prêtre de l'œil d'Horus, avec la couronne blanche et rouge qui symbolisait son pouvoir sur toute l'Égypte. À la 30e année de son règne, se tenait également une cérémonie de rénovation appelée Ebsed. Durant cette cérémonie, le pharaon courait tout autour de la cour des serpents, avec pour unique parure les emblèmes de son pouvoir, afin de se renouveler conceptuellement et de montrer sa force, sa capacité à dominer le monde physique. Le mur au sud de la cour
servait de façade au tombeau du sud, une fausse chapelle construite en pierre et dont le toit était voûté. Sa fonction réelle était de cacher une des deux entrées du souterrain. La chapelle se composait d'une petite pièce et menait au souterrain par un conduit vertical, loin de l'entrée à la pyramide. Des fouilles profondes ont permis de retrouver l'escalier par lequel on pouvait, à l'origine, accéder au souterrain. Les deux conduits verticaux de l'entrée, celui de la pyramide et celui de la chapelle sud, ont été retrouvés cachés sous des plaques de granit circulaires qui pesaient plus de 10 tonnes. La chapelle, à la surface, n'était qu'une façade. La vraie vie de Saqqara était souterraine. Par cette entrée du tombeau du sud, nous arrivons à des chambres souterraines et à des galeries. Nous trouvons un tunnel qui aboutit exactement sous l'entrée de la galerie hypostyle. Le plan du sanctuaire tout entier ressemble à l'unité centrale d'un ordinateur. Saqqara fut la première pyramide expérimentale destinée à utiliser et à améliorer une technologie quantique qui devait permettre aux disciples de l'école de mystère de l'œil d'Horus d'atteindre la perfection spirituelle. Pendant 400 ans, environ 100 pyramides, de formes, de grandeur et de matériaux différents, ont été construites. Leurs lignes ne cessèrent de s'améliorer jusqu'à la réalisation de la grande pyramide de Khéops. Les Égyptiens avaient hérité de la civilisation atlantidéenne la connaissance de la transformation des formes pyramidales monumentales en machines quantiques, capables de produire des colonnes ondulatoires stationnaires d'énergie qui permettaient d'élever la fréquence vibratoire des disciples d'Horus. C'était un moyen d'augmenter leur niveau d'énergie vitale, le pouvoir de leur esprit, et d'éveiller chez eux de nouveaux sens, comme la télépathie ou la capacité de percevoir l'aura des autres. Ainsi, la conscience pouvait s'élever au-delà du temps et voir la chaîne de réincarnation déjà vécue. Dans la cour des serpents, du côté où le soleil se lève, se trouvent trois colonnes qui formaient le centre du temple royal de Heb-Sed. Un bâtiment occupé par le pharaon et les prêtres de l'œil d'Horus durant les cérémonies. Depuis ce bâtiment, en longeant un mur courbé, on accédait à la cour rectangulaire du Heb-Sed, parallèle à la cour centrale du sanctuaire. Sur les côtés se trouvaient deux séries parallèles de fausses chapelles. En réalité, elles étaient une façade très élaborée, sise sur un bloc de pierre massive. Chaque série se composait de 13 chapelles étranges et mystérieuses. Leurs murs n'abritaient aucun espace utile à l'intérieur. Elles formaient simplement une façade sophistiquée et scénographique, pleine d'élégants détails architecturaux. Leur forme dissimulait la vraie raison d'être du sanctuaire et de l'enchevêtrement complexe des chambres souterraines, des tunnels et des galeries, conçus comme un énorme circuit électrique pour produire un tourbillon électromagnétique. Devant chacune de ces chapelles, un passage étroit et sinueux menait à un petit sanctuaire extérieur qui devait contenir les représentations symboliques des forces tutélaires de l'Égypte, la divine Énéade.
Les murs extérieurs étaient décorés de bas-reliefs qui entouraient de fausses fenêtres, de fausses portes, de fausses clôtures en bois et des colonnes à cannelures appelées jets. En somme, un véritable décor entièrement sculpté dans la pierre. Au nord de la cour des fausses chapelles, à l'est de la pyramide à étages, se trouvent la maison du sud et la maison du nord. Deux constructions beaucoup plus grandes, mais tout aussi factices. La façade de la maison du sud est ornée de colonnes cylindriques dont les chapiteaux sont en forme de fleurs de lotus, le symbole de la Haute Égypte. Un couloir étroit permet de voir le plus vieux graffiti du monde, écrit en hiératique. Des visiteurs de la 18e dynastie ont ainsi gravé des commentaires à propos du pharaon Djéser. La façade de la maison du Nord est décorée de colonnes représentant des papyrus, les symboles de la Basse-Égypte, qui correspond au delta du Nil, au nord du pays. Ici, pendant la cérémonie du Hepsed, le roi recevait la couronne rouge qui symbolisait son autorité sur ce territoire. Entre la maison du Nord et le temple funéraire de Djéser se trouvait le Serdab, une petite chapelle avec deux trous dans un de ses murs. À travers eux, une statue représentant le pharaon Djéser assis pouvait entrevoir la cour extérieure tout en recevant le vent vivifiant du Nord. Ce personnage, avec son impressionnant Némès sur la tête et dont les yeux en cristal ont disparu, est la première représentation en trois dimensions et à taille réelle d'un monarque égyptien qui est parvenu jusqu'à nos jours. Durant des milliers d'années, il a contemplé la stupeur que les bâtiments factices de Saqqara ont provoquée chez ses visiteurs. Le décor qui cache de puissants mécanismes quantiques. De là, il a entendu toutes les théories selon lesquelles Saqqara a été son tombeau, qui ne fut jamais utilisé. À côté, se trouvent les ruines du temple adjacent à la pyramide, dont l'unique accès, situé à l'est, menait à travers un dédale d'étroits couloirs à deux cours ouvertes, dont l'une dissimulait la porte du vrai sanctuaire de Saqqara, enfouie dans les profondeurs de la terre. Cette cour cachait l'entrée principale du souterrain. Ce modèle d'un temple contigu fut répété dans les pyramides qui ont été construites dans les années suivantes. Saqqara a été abandonné à l'arrivée dans l'ère du Bélier, vers l'an 2320 avant Jésus-Christ, au moment de la construction de la pyramide de Khéops. Avec le temps, on oublia l'existence de ces entrées vers les chambres et les galeries souterraines. Les pierres des murs du sanctuaire furent utilisées comme matériaux de construction. Dans les siècles qui suivirent, beaucoup de nobles firent construire leurs tombeaux dans ce lieu sacré. De nos jours, on pense que Saqqara a été un cimetière, dont le premier sanctuaire fut le tombeau du pharaon Djéser. Au temps de la 26e dynastie, en plein déclin de la civilisation égyptienne,
Plus personne ne savait que le temple adjacent à la pyramide cachait l'entrée de la chambre principale. Le pharaon ordonna de creuser un long tunnel sous la façade sud de la pyramide, en croyant que l'entrée se trouvait là. On creusa dans la roche, en laissant des colonnes de pierre pour éviter que le tunnel ne s'effondre. Jusqu'à arriver à la chambre centrale, une pièce vide de 12 étages de profondeur, un puits de la forme d'un obélisque en plein cœur de la pyramide. À partir de là, ils découvrirent que l'entrée se trouvait à l'origine sous la façade nord de la pyramide et ils purent pénétrer dans tout le dédale des galeries souterraines. Saqqara a été construit en trois étapes, planifiées dès le départ par Imhotep. À chaque étape, le sanctuaire s'agrandissait et la pyramide se développait comme le corps d'un être humain. La première étape fut la construction de l'épine dorsale du sanctuaire, le creusement d'un puits vertical qui va 30 mètres en dessous de la pyramide, à 12 étages de profondeur, soit 50% de la hauteur totale de la pyramide. De là, ils ont creusé des centaines de mètres de tunnels, un labyrinthe de chambres et de galeries qui constituait une partie essentielle du système. La deuxième étape fut la construction d'une petite pyramide à étages au-dessus du sanctuaire souterrain. Son volume et son poids représentaient exactement 50% de la pyramide finale. Elle consomma seulement la moitié des ressources et des efforts totaux. En outre, les bâtisseurs pouvaient ainsi utiliser temporairement l'énergie dégagée par leur propre construction. La charge électrique produite par la petite pyramide était utilisée pour créer des couloirs électromagnétiques qui facilitaient le transport des matériaux nécessaires à la construction du reste du sanctuaire. À partir de la pyramide, une série de colonnes appelées Djed furent placées à distance régulière. La charge d'ions négatifs produite par la masse vibratoire de la pyramide circulait d'un pilier à l'autre. Chacun d'eux était composé de bobines verticales en fil d'or, enroulées autour de bâtons de bois. La première bobine se trouvait dans la partie inférieure et la seconde dans la partie supérieure. La colonne était placée sur une cavité pleine de fibres trempées dans l'eau salée qui assurait un excellent contact terre. Un prêtre d'un haut niveau de conscience et de vibration était tenu de contrôler grâce à l'énergie tachyonique de son esprit le passage du courant ionique de la pyramide à la première colonne. À partir de là, la charge électrique circulait régulièrement de pilier en pilier, créant ainsi un couloir électromagnétique qui s'étendait jusqu'à Tura, près de Saqqara, sur le Nil, dans le champ de puissance de la petite pyramide où se trouvaient les carrières de quartz granitique.
Les plaques de granit, une fois découpées, étaient placées devant le dernier djed. Un prêtre les touchait alors avec sa canne, faisant ainsi circuler dans leurs molécules de quartz la même charge négative que celle du couloir. Les deux charges égales se repoussaient et le bloc se soulevait du sol. Le même principe est utilisé de nos jours par les trains à sustentation magnétique au Japon qui flottent sur un champ électromagnétique puissant de la même polarité que celle des wagons. Ainsi, grâce à cette ligne électromagnétique de transport, ils pouvaient facilement déplacer toutes les pierres dont ils avaient besoin pour la troisième étape. L'élargissement de la pyramide, avec 425 000 tonnes de pierres, et la construction des murs d'enceinte, avec 135 000 tonnes de granit. La construction en étapes permit d'utiliser une partie de la puissance générée par la pyramide et de l'augmenter de 50% une fois la grande pyramide construite. La puissance totale assurait la circulation du courant sur un couloir qui s'étendait jusqu'à Maïdoum, le point médian entre Saqqara et les carrières de granit rouge de la Haute-Égypte. La technologie et les connaissances héritées de l'Atlantide sont fondées sur les principes de mécanique quantique que nos scientifiques commencent à peine à comprendre. Dans le prochain épisode de notre série, nous continuerons à étudier le sanctuaire de Saqqara. Nous verrons comment et dans quel but l'ensemble des galeries souterraines, ce puissant mécanisme quantique qui permettait d'accélérer l'évolution des initiés, était conçu. En suivant ce chemin, que nous appellerons la route quantique vers la lumière de la conscience, nous verrons que ce processus évolutif a été enseigné par différents professeurs de haut rang. L'un d'entre eux fut Jésus. Il dit que si nous suivions la route vers la lumière et la vibration de l'amour, nous ferions encore de plus grandes choses. Il faisait allusion à l'utilisation des particules subatomiques de la lumière, l'énergie tachyonique, la force créatrice qui a mis cet univers en forme. Des milliers d'années avant l'arrivée de Jésus, les sages prêtres de l'œil d'Horus ont utilisé, à Saqqara, ce même type de connaissances pour accélérer l'évolution de leurs disciples. Ils ont construit d'imposantes formes pyramidales, des machines quantiques utilisées pour la production de colonnes énergétiques ondulatoires qu'ils utilisaient pour élever la fréquence vibratoire de leurs initiés. Ils donnèrent naissance à un centre de communication avec des dimensions supérieures qui ont permis aux disciples les plus avancés de connaître la route vers la lumière, de recevoir des informations d'êtres plus évolués, des plus grands professeurs de l'univers. Sur le plan physique, en construisant des couloirs électromagnétiques et en générant des effets de supraconductivité grâce à différents matériaux, ils ont facilité la construction de leurs temples, les livres vivants de l'école de mystère de l'œil d'Horus.